Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission sur les médecines énergétiques. Cette fois, on est à Paris avec François Lovizzi, énergéticien et praticien de médecine traditionnelle chinoise. On va vous parler aujourd'hui d'un protocole assez peu connu à base de ventouses et de médecine chinoise. Drainage, lymphe, détox, vitalité, beauté de la peau. Et vous allez voir qu'entre ses mains, les remèdes de grand-mère ont pris un sacré coup de jeune. Alors François, bonjour. Bonjour Claude. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on parle de ta méthode. Allez, c'est parti. Alors, le massage cupping est une technique inventée par une Américaine, Anita Shannon, et qui se fait donc avec des ventouses de différents diamètres, en s'adaptant aux différentes morphologies et différentes parties du corps. Elle consiste donc à aspirer localement la peau et ensuite à drainer sur les côtés, de façon à rassembler, si on peut dire, la lymphe et faire en sorte qu'elle circule plus facilement. La lymphe a une double casquette. Elle a d'abord un rôle d'élimination, donc elle élimine les toxines, et également un rôle, on va dire, anti-inflammatoire pour les parties qui peuvent être un peu douloureuses ou sensibles. J'ai combiné au massage cupping mes connaissances en médecine traditionnelle chinoise de façon à ce que l'ensemble, je dirais, des organes, d'un point de vue énergétique, en fonctionnant bien, puissent amener une meilleure qualité de la peau en règle générale. Traditionnellement, on peut dire que la médecine traditionnelle chinoise, en tout cas dans le domaine de l'acupuncture, c'est une dialectique entre le sang et l'énergie. Le sang, je dirais, contient l'énergie et l'énergie fait bouger le sang. Vraiment, c'est un couple qui est indissociable. Et dans ce couple primordial, on oublie souvent la lymphe, qui est vraiment l'allié, je dirais, une alliée formidable au niveau du corps et qui permet également de rentrer dans cette espèce de dialectique, de faire une sorte de trio gagnant pour le travail avec le massage cupping. Alors, je commence toujours le massage du ventre par deux protocoles. Il y a d'abord le fait de suivre le trajet du gros intestin, suivant une séquence bien particulière. D'abord le côlon descendant, le côlon transverse descendant, et ensuite côlon ascendant, transverse et descendant. Donc, ça permet de retonifier cet organe qui est, en médecine traditionnelle chinoise, un organe très important pour ce qui concerne la peau. Et ensuite, par des séquences successives, je ramène la lymphe vers les chaînes de ganglions qui sont au centre du corps de façon à faciliter l'élimination des déchets métaboliques en règle générale. Il faut savoir que la peau est un émonctoire même très important, avec une surface très importante aussi. Donc une peau qui fonctionne bien, c'est une élimination qui peut se faire correctement. Et tout ça également via un système lymphatique qui fonctionne correctement. En ce qui concerne les membres, donc on s'occupe au préalable du proximal avant le distal, donc en l'occurrence de la cuisse avant le mollet ou du bras avant l'avant-bras. Le but étant de collecter la lymphe et de l'amener vers les différents émonctoires. C'est la manuelle, c'est pas trop, pas trop sensible. Oh, waouh, là j'ai mal. On dit, ah la vache, pardon. Ici, trajet de l'estomac. Le travail sur la qualité du sang se fait encore une fois par les organes qui sont donc en bon état. Et cette qualité du sang va se retrouver au niveau de la peau, ce qui est notre objectif principal dans le domaine du massage cupping et également du lifting du visage. Le massage cupping du visage consiste à drainer à l'aide d'une petite ventouse au niveau du menton, au niveau des pommettes, au niveau du front, et à collecter la lymphe et ensuite à la faire circuler pour la ramener aux ganglions qui sont sous-claviculaires. Alors voilà, maintenant que vous êtes incollable sur le cupping massage et le drainage de la lymphe, vous nous retrouvez sur alternativesanté.fr, vous visitez le site annuairethérapeute.com pour retrouver les coordonnées de François Lovizzi et du centre La Chimiste. Bon massage et à bientôt !